Peach, dis-moi pourquoi tu m'as appelé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Salut, moi c'est Peach. C'est qu'en fait, il y a Bowser qui m'a volé ma couronne. C'est celle-là qui permet de contrôler. Il veut avoir le pouvoir. Bowser m'a volé ma couronne, faut que tu m'aides. Oh, Bowser a volé ta couronne! Mario, t'as entendu ça? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah Mario, évidemment. C'est la princesse Peach. On va l'aider comme d'habitude. Tu l'as déjà fait, toi, auparavant. Cette fois-ci c'est différent. Il a le pouvoir de me contrôler quand il veut. Ouais, mais je pense que Bowser, il a peut-être caché la couronne au fond du parcours. Donc je pense pas qu'il l'ait encore sur lui. Donc on va Faut essayer de vite. vite la retrouver, hein. Oui, il faut Faut vite aller très l'arrêter. vite alors, allons-y. Ouais, on va vite l'arrêter. D'ailleurs, cette couronne, elle permet de contrôler qui exactement? Luigi, Mario et tout mon royaume, c'est pour ça qu'on est très en danger. Il faut que vous nous aidiez, toi et Mario. Oh là 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 là, bon les amis, il va falloir vite se dépêcher. Donc les amis, juste avant que la vidéo continue, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous aurez une dédicace de Mario. D'ailleurs, Mario, tu vas faire une petite dédicace à toutes les personnes qui s'abonnent quand même. Dédicace au signe Mario. Voilà. Et à toutes les personnes qui mettront un pouce bleu, tu leur donneras un ticket gratuit pour aller voir ton film. Mais évidemment. Ok, super. Bon, ne t'en fais pas, la princesse Peach, puisque on va tout de suite aller retrouver ta couronne. Et du coup, t'as pas à te faire de soucis, hein. Tu peux totalement faire confiance à Mario et à moi-même. Ok, merci. Il Voilà. faut faire vite. Oui, t'inquiète pas. D'ailleurs, je vois que tes yeux ont été endommagés. Attends, mais. Oui, il a voulu m'attaquer, mais j'ai réussi à m'échapper de justesse. Ah oui, mais du coup, Oui. il t'a crevé les yeux, quoi. Oui, mais il a réussi à prendre ma couronne, c'est le plus important. Ouais. Bon, juste dis-moi, parce que là, vu que je vois que t'as pas de. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, des pupilles peut-être. Peut-être t'arrives à nous voir quand même. Oui, j'arrive à vous voir. Ok. J'ai pas de problème intérieur. Mais Ok. faut faire vite, c'est super important. Bowser est vraiment méchant en plus. Oui, j'imagine bien. Bon, du coup, allez Mario, c'est parti. On va tout de suite se dépêcher. Les amis, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs petites maisons en forme de champignons. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va regarder à l'intérieur s'il n'y aurait pas quelque chose pour accéder ici. Ah, attends, regarde. Déjà ici, je vois une petite question. Il y a marqué combien de jeux de la franchise Mario sont sortis? Un seul essai possible avant d'être bloqué pour toujours. Oh, il faut faire attention alors, hein. Ouais, alors du coup là on a plusieurs réponses. On a moins 50, on a entre. Ah non, c'est moins 50 ou c'est 50? J'ai pas compris là. Ça doit être moins de 50 jeux, je pense. Ah, moins de 50 jeux, ok. Moins de 50 jeux, entre 50 et 100 jeux. Ici on a quoi? Entre 100 et 150 jeux. Et ici on a entre. Bah, on a 150 jeux, voire plus. Mario, dis-moi. Alors, c'est quoi la bonne réponse? Eh ben, je sais pas, j'ai pas compté. Moi, je me suis arrêtée à 23. Peut-être qu'il y a des indices autour des maisons. Ah, peut-être qu'il y aurait des indices. Donc, en regardant dans les maisons. Ah, attends! Ici, déjà, je vois un numéro 1. Je sais pas trop ce que ça veut dire là, juste ici. Oh oui! Il faut le retenir, je pense. On verra après avec quoi on l'utilisera. Ok, bon bah Peach, toi tu vas retenir tous les indices qu'on retrouve, d'accord? Ok. Donc tu peux prendre un petit carnet si tu veux et tu notes le numéro 1. Pas de soucis. Bon, on va essayer de voir aux alentours les amis s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre. Ici, il y a marqué 0 plus. Ok. On a un autre indice. Alors il nous Oh, faudrait. attends, on a 1 et 0 plus. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire. On va essayer de trouver un troisième indice, sûrement dans cette maison. Ah, ici, 5. Ok. 5. On a donc vu 1, 0 plus et 5. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire, cheese? 6 jeux? Ben, je sais pas, moi, on peut se servir des chiffres, non? Bah, je sais pas s'il faut les assembler ou s'il faut les additionner. Peut-être que. Attends. Au pire. Oh! Et si on traversait par là? Je pense qu'on pourrait accéder de l'autre côté. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'échelle. Ah. Ah bah oui, il n'y a pas du tout d'échelle. Ok. Bon bah on est obligé de répondre à la question. Bah moi du coup je dirais 6 jeux, c'est ça? Je dirais quoi? 6 jeux? Mais attends. Et le 1, on en fait quoi alors? Parce Bah. que là, il n'y a que le 5 et le 0. Mmh.
Bah, je sais pas. Dis-moi, c'est quoi la bonne réponse? Moi, je sais pas. J'ai trouvé tous les... J'ai trouvé tous les indices. Maintenant, à toi de trouver la réponse. C'est quoi les indices? Et 150. 150. Ah bah oui, puisque 1, 5 et 0 plus. Mais voilà. Ah ok, mais oui, évidemment. Ok, bien, parfait. J'étais là, hein. Moi, au moins, j'ai retrouvé les indices, hein. Et vous avez trouvé la bonne réponse, donc on fait un travail d'équipe, quoi, quand même. Et oui, très bon travail d'équipe pour récupérer ma couronne. Ouais, allez, venez, suivez-moi. Allez, c'est parti, les amis. Donc, on arrive à ce stade-là, et comme vous pouvez le constater, il y a eu un éboulement pour accéder au château, passé par les souterrains. Vous voyez des souterrains, vous? Il nous faut une carte, je pense, pour ouvrir la porte qu'il y a ici. Un code, sans doute. Ah non, une carte, oui. Une carte. Bah, comment on fait pour accéder? Vous aurez pas une petite pioche? Eh bien, je sais pas, moi, cherchons une carte. Ah, faudrait peut-être... Effectivement, faudrait peut-être chercher ça. Tu penses que c'est au tout début? Ou peut-être... Oh, dans l'eau, non? Non, y a rien dans l'eau. Vous voyez rien du tout dans l'eau? Non, je crois qu'il n'y a rien dans l'eau. Ok, bon bah moi je vais essayer de voir de ce côté si j'aurais pas peut-être loupé quelque chose. Non, il n'y a rien du tout. Vous voyez quelque chose, vous, de votre côté? Non, je ne vois rien. Peut-être dans les nuages, essaye de les casser. Ah, peut-être, effectivement, peut-être dans les nuages. Là, non, il n'y a rien du tout. Ah, peut-être ici, là. Non plus. Non, je vois toujours pas de coffre. Sur moi, j'ai trouvé le coffre. Bien joué, Peach. Normalement, c'est ma mission et c'est moi qui est en train de galérer. Attends, non mais on est de tout faire. C'est ta vidéo ou c'est notre vidéo? Bah, c'est la nôtre quand même. Allez. Allez, ouvre la porte. Allez, c'est parti, on ouvre la porte. Let's go. On y va. On se retrouve face à un labyrinthe. Faudrait vraiment qu'on fasse la queue, hein, parce que sinon on va se perdre. Je vous suis. Allez, bon, j'essaie. Où est-ce que vous êtes? Je suis perdu, je crois. Bah, moi-même, je me suis perdu. Ah, j'ai peut-être trouvé la sortie. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est bon signe. Je ressors et où est-ce qu'on est? Oh, j'ai trouvé la sortie! Moi aussi, j'ai trouvé! Ok, bon, bah, on va. Peach, au pire, attends Mario ici, on va attendre que Mario l'arrive, ok? Ouais, Mario, j'arrive! Ah, c'est bon, je cours là! Mario, hey, Peach, Mario. C'est bon, je suis là, moi aussi! Ok, parfait, Mario aussi a réussi! Bon bah, les amis, c'est parti, on va tout de suite passer à la première question. Comment s'appelait Mario dans le jeu Donkey Kong? Donc... Ah, je sais, je me suis renommé il n'y a pas longtemps. Avant, je m'appelais Plumble Guy. D'accord, ok, bon bah, merci. Bravo, Mario! Merci, Mario! Alors, c'est quand même à moi de répondre, hein. Allez, du coup là, on va voir comment s'appelle la princesse que Mario sauve toujours. On a le choix entre Daisy, Princesse Toad et la Princesse Peach. Alors, je sais pas du tout qui c'est. Ah ben là, je pense que, comme on dit, la question a limite répondu. C'est qui, c'est Peach? Oui. Ah, oui, ok. Oui, c'est moi. Ok, bon bah les amis, apparemment c'est Peach, donc on va tout de suite ouvrir la porte. Oui. Oh oui, les amis, c'était bien Peach. Mais tu as réussi. On a réussi. Allez, on passe tout de suite à la troisième question. Comment s'appelle le père de Mario, celui qui a créé la licence? On a le choix entre Bing Chilling, entre Shigeru Miyamoto et Emmanuel Macron. Alors, je pense pas que ce soit Macron. Je pense plutôt à Miyamoto. Oh, je crois que c'était bien ça. Oh mais tiens, on est dans le monde de Mario, attention. Oh, c'est bel danger, il ne faut pas mourir pour la couronne. Ok. Oh Mario. Viens, je suis moi. Oh, attendez. Mais où est-ce qu'on est là exactement? On est dans le monde de Bowser. Oh, le monde de Bowser? Mais attendez, ça se trouve Bowser, il est ici. La couronne est très proche. Il vient avant qu'elle revienne. Attends, bon, vous savez quoi? On va faire le jump, allez. Par contre, faudrait quand même que vous me laissiez y aller en premier, hein. Allez, ouais, alors, ouais, pousse toi Peach. Ok, hop. Ok, let's go. Hop. Bon, je vais suivre Mario. Peach, ça va, t'as pas trop de mal? Non, c'est bon, j'y arrive. Merci de m'aider. Attention, Cheese, il y a de la lave en bas. Oui. Faut que tu fasses attention. Ouais, c'est vrai que là, si je meurs,
Je suis mort quoi. Regardez là-bas, il y a un coffre. Attends, juste regardez. Je casse ça pour que ce soit un tout petit peu plus simple. Peach, tu pourrais m'aider. Hop, on va casser ça. Ok, parfait, nickel. Vous voyez un coffre? Oh mais oui, regarde, il y a des couronnes. Il y a un coffre, il faut y aller vite. Avant que Bowser vienne. Mais oui, il faut y aller vite. C'est ma couronne. C'est ta couronne, évidemment. Je la vois. Allez, c'est parti les amis, hop, je saute. Ok, let's go. Hey, venez, là j'ai vraiment beaucoup trop d'avance. Hein. Oui, attends, on arrive, calme-toi. On essaie vraiment d'être super prudent. Dans le parcours, hein, bah, Mario, le plus important quand même, c'est de ne pas mourir. Hein. Oui, c'est vrai, mais quand même, il faut vite se dépêcher avant que Bowser arrive. Bah oui, je sais bien, mais là oui, si on tombe dans la lave... Raison, bah si on tombe dans la lave, on risque de mourir à vie. Allez les amis, c'est parti. Ok, poussez-vous les oui, minutes. Oui, regarde Mario, il y a bien d'or, je suis riche, nous sommes riches. Oh, c'est ma colonne. Alors, attends. Tu vas te calmer, recule Peach. Ok. Oui, je recule. Recule. Bon, les amis, maintenant que j'ai la couronne de Peach, je vais leur faire un petit prank. Je vais mettre cette couronne sur ma tête et vous savez ce que je vais faire. Je vais tout de suite contrôler Mario et Peach. Ça va être vraiment drôle. Allez, les amis, je récupère la couronne et je la mets sur ma tête. Regardez, couronne du royaume champignon. C'est parti, je la mets sur ma tête. Et oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, au secours. Secours. Alors, c'est qui le roi maintenant? Au secours, c'est vous, Battle Cheese. Voilà, c'est qui le patron? C'est vous, Battle Cheese. Voilà. D'ailleurs les amis, dites-moi dans l'espace commentaire des idées de défis que je pourrais donner pour Mario et Peach. Bon, vous savez quoi? Moi j'ai déjà une petite idée. Mario. Oui, mettre le cheese. Vu que je suis le chef maintenant. Oui, mettre le cheese. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te ordonner de sauter dans la lave. Non, oui, mettre Mario, le cheese pour non, vous. Mario. Ah, il, a... Mario. Il est en train de brûler. Tout est cruel. Mario. Ok, c'est bon Mario, tu peux ressortir de la lave, allez, tu peux ressortir. Ah. Oui, mettre le cheese. Alors, cheese. Ça te brûle un peu les fesses? Ça faisait un petit peu mal, mais rien n'est assez. C'est méchant, mettre le cheese. C'est méchant. Attends, mais t'es sérieux là? C'est qui le patron? C'est vous. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Pour la peine, ce qu'on va faire, c'est que Mario met un gros coup à Peach. Voilà. Non, Mario. Voilà, mets un coup. Non, Mario, je brûle. Ah ah. C'est cool. Regardez les amis, à présent il y a Peach qui est en train de brûler. Je suis mort. C'est ce que tu mérites pour avoir désobéi au Maître Cheese. Au secours, Maître Cheese, je m'excuse. Voilà. Sauvez-moi. Ok, vas-y, Mario, va sauver Peach, la pauvre. Voilà. J'arrive. Allez, ok, c'est bon. Bon, du coup, ce qu'on va faire. Désolé. Maintenant, ce qu'on va faire à présent. Alors, attends, calme-toi, arrête de t'accroupir. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout de suite rentrer à la maison. Toi, tu vas me faire à manger et toi, tu vas me masser les doigts de pied, ok? Bien sûr, mettre le cheese. Bien sûr, mettre le cheese, bien sûr. Allez les amis, c'est parti, on se retrouve tout de suite à la maison. Les amis, comme vous pouvez le voir, on est arrivé à la maison et Peach, tu vas me passer toute ta fortune. Oui, maître, Mario les a déjà placés devant la maison. Oui, maître. Déjà? Oh, oui, oh déjà, ouais. Mario est très rapide. Effectivement les amis, regardez. Regardez-moi tous ces lingots d'or et tous ces blocs d'or. Oh oui, je suis devenu très riche. Allez, à présent tu vas me préparer à manger. Allez, vas-y, viens. Mais c'est moi la princesse, ce serait toi de me préparer à manger. Peach, t'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Oui, désolé maître, j'y vais de ce pas. Voilà, je suis allez, désolé. Viens, hop, la cuisine elle est ici. Oui, j'arrive maître. La cuisine elle est ici, tu me prépares un bon couscous. Un couscous ou un gâteau? Je vais te faire un gâteau. Oui, allez, tu me prépares ce que tu veux. Toi, pendant ce temps-là, Mario, tu vas me préparer... Non, tu sais quoi? Tu vas me masser, d'accord? Oui, mon maître. Voilà, super. Du coup, Peach, une fois que t'as préparé à manger, bah tu viendras en haut dans la chambre et tu me sers ça directement dans la chambre, ok? Ça, c'est bon comme gâteau? Lequel? Ou tu veux un gâteau normal, ça, là? Oui, c'est pas mal. Allez, tu me le ramènes directement dans ma chambre. Allez, vas-y, viens, Mario. Suis-moi Mario, et du coup c'est parti les amis, Mario va me masser les pieds, allez c'est parti, je vais tout simplement m'allonger, hop, allez je m'allonge,
Mettre le cheese! Mettre le cheese! Ouais, alors, non, alors. Tu montres le gâteau. Ah, vas-y. Ça fait des chatouilles, ça fait des chatouilles. Ah, Mario, arrête de me chatouiller là, c'est pas drôle. Ah, désolé, mon maître, désolé, désolé, désolé. Je suis sincèrement désolé. Monsieur Cheese, j'ai votre gâteau, mon maître. Allez, hop, le petit gâteau. Nickel, merci. Bon, je vous laisse ici. Je reviens dans 2 minutes et je te repasserai ta couronne, d'accord? Oui, maître. Allez. Bon, les amis, après avoir contrôlé Mario et Peach, j'ai une petite idée en tête. J'ai bien envie de contrôler Bowser, je sais pas du tout si ça fonctionne. On va le savoir dans un instant. Du coup, je vais tout de suite me diriger dans la maison de Bowser et voir si ça fonctionne ou pas. Donc, comme truc que je pourrais lui dire, je pense que comme mission, je vais tout simplement lui dire de sauter dans la lave et comme ça, il va tout simplement mourir. Et plus jamais, il va nous embêter, hein. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Allez les amis, j'espère que Bowser est tout simplement chez lui et qu'il va tout simplement également m'obéir. Je vais également profiter, voilà, j'en ai profité pour manger quelques petits gâteaux puisque j'avais quand même un tout petit peu faim. Hop, ok, donc nous voilà arrivés chez Bowser et on va tout de suite savoir si il est chez lui ou pas. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Et où est-ce qu'il est, Bowser? Et oh, ah, le voilà, Bowser. Ah, sors de chez moi. Bowser, tu vas vite te calmer, hein, parce que moi, maintenant, je suis devenu ton roi. Regarde, je possède la couronne. Roi de rien du tout. Comment ça, roi de rien du tout? Eh, hey, tu dois me respecter. La couronne ne marche pas sur moi, elle marche que sur les gens du royaume champignon. Oh, ah, mais attends, excuse, je suis désolé, ok, je m'en vais, excuse. Non, mais, d'ailleurs, Bowser, pour te contrôler, comment on fait? Je peux pas me contrôler, je suis indépendant. Ah, y'a personne qui peut te contrôler? Personne. Oh, ok, bon bah je m'en vais. Ah, ok. Mais pourquoi tu brûles ta propre maison? Aïe. Pour te tuer. Ok, c'est bon, je m'en vais. Aïe, ok, c'est bon, j'arrête. Ok, bon, les amis, juste, je suis en train de mourir. Ok, c'est bon. Bon, les amis, c'est vrai que je suis un peu débile, puisque la couronne, comme je le disais en début de vidéo, elle fonctionne uniquement sur Mario. En fait, ils ont juste... tu me le rappelais, en fait. Hein. Peach? Oui, la couronne pour le sauver. Oui, alors juste... Je peux la donner. Mais juste, pourquoi la couronne, elle fonctionne pas sur Bowser? Mais parce que c'est pas un réel habitant du royaume, il vient d'une autre planète pour toujours nous tuer. Ah, c'est un grand méchant. Ah mais c'est vrai. En plus il arrive. Bon bah tiens, je te repasse ta couronne et on s'enfuit, ok? Tiens, vas-y, oui. Vas-y, remets la couronne sur ta tête. Oh, regarde, la couronne me va bien, le royaume est sauvé. Merci, cheese. Tiens, Bowser. Bon allez, on s'enfuit, je crois qu'il est énervé parce qu'on a récupéré la couronne. Allez, vas-y, on s'enfuit. Eh Bowser, ça fait quoi? On a récupéré la couronne. Nanana. Le royaume est sauvé. Allez, on s'enfuit. Non, cheese. Oui, moi je suis presque en train de crever là.